Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais tenter. Attends, tu vas quoi? Tu vas tenter? Tu vas tenter? C'est ça ton ambition? Non, tu vas pas tenter, tu vas le faire, ce lit. Tu vas le faire. Allez, motive-toi un peu. Et s'il te plaît, arrête avec ta tête là, parce qu'on dirait que tu vas te mettre à chialer, c'est insupportable. Allez, remotive-toi là et vas-y à fond, donne-toi. Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais réaliser un lit qui va déchirer. The fucking bed! Alors regardez jusqu'au bout, inspirez-vous, abonnez-vous, bon visionnage! Je sais pas, mais moi je le sens pas, je trouve que ça fait un peu trop. Voilà, donc tout mon bois a été dégauchi et raboté, donc corroyé. Maintenant, je vais passer à l'assemblage de mes côtés. Donc les côtés seront composés d'un morceau de contreplaqué noir, filmé donc, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est du contreplaqué filmé noir. Et il va venir s'emboîter dans deux chevrons, donc de part en part. Donc deux chevrons que je vais réunir à la largeur du contreplaqué. Je vais les faire rentrer à 1 cm dans chaque section de bois. Comme ça me fera des côtés un peu ressemblant à ça, quoi. Et l'assemblage sera fait par des vis-biaises qui seront du côté intérieur du lit.
Voilà, donc cette partie d'assemblage est terminée. Il s'agit là simplement de ce qui constituera le pourtour du matelas en fait. Donc là, je vais continuer en installant les pieds, une traverse sur la largeur et des petits barreaux, ce qui constituera le pied du lit. C'est parti! Alors voilà, j'ai effectué un montage à blanc, donc on a une idée de ce que ça va donner. Voilà, donc ça, ce sera, je le rappelle, le pied du lit. Donc là, il ne me restera plus qu'à mettre les trois petites traverses ici. Je vais en mettre trois du coup. Et je vais aussi assurer le montage des pieds par une fixation à vis aussi, en vis bies toujours. Hein. Parce que juste coller, je pense que ça va pas le faire. Allez, on y va. Thank you.
Voilà, ça fait maintenant une bonne heure que j'ai mis la pièce en séchage. Je vais pouvoir désangler et voir un peu ce que ça donne. Je pourrai ensuite fixer mes barreaux avec mes vis biaises. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and now I see a star. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream. Chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes, takes a thousand lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turn to dust to gold, and we'll dream impossible. Ah, impossible. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, ben, conclusion pour cette première partie, j'ai quelques désaffleurs, mais qui vont se rattraper avec le ponçage. Donc, il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. L'assemblage par vis-biaise a fait un peu craquer mon contreplaqué, donc je pense que le choix, soit le choix de l'assemblage par vis-biaise, soit le choix du contreplaqué en lui-même pour ce projet n'était pas forcément une bonne idée. Mais c'est pas grave. Ce sera à l'intérieur, ce sera sous le matelas, ça se verra pas. Bon, je suis tout de même pas mécontent du résultat. C'est un projet peut-être un peu ambitieux. J'ai encore pas aménagé mon atelier correctement, donc je manque peut-être un peu de place pour ce genre de taille de projet, parce que bon, c'est quand même un lit de personnes, c'est pas rien. Mais je vais y arriver, il n'y a pas de raison. On va y aller tranquillement et tout ça en apprenant 2-3 choses au passage. C'est impeccable. Je vous laisse sur ces quelques aperçus du projet et en attendant la suite, surtout, prenez soin de vous, soyez forts, ciao!